Que l'on choisisse d'étudier chez soi, seul ou à la bibliothèque, en groupe, les révisions, cela reste un mauvais moment à vivre. Alors pour mieux faire passer la pilule, certains préfèrent le grand air. Je préfère réviser dehors, j'y arrive mieux. Ouais. Parce qu'en plus il fait beau aujourd'hui, donc c'est mieux d'en profiter, de rester dehors et de réviser. Mais réviser dehors, cela permet aussi et surtout de mieux se concentrer. Il y a moins de tentations comme l'ordinateur ou la télé ou quoi, on est plus tranquille quand on a que nos livres et le gazon. Pourtant, quelques lycées, comme le lycée Fénelon par exemple, mettent à disposition des salles de classe et des professeurs. Pas suffisant, semble-t-il, pour donner envie de s'enfermer. Je suis allée ce matin, mais en fait j'ai préféré venir au parc parce que je trouve qu'on est bien ici. Il y a une bonne ambiance et on est tranquille, il n'y a personne pour nous embêter, on n'entend personne dans les couloirs, on est bien. Pour autant, est-ce que l'ambiance zen du parc empêche le stress? Rien n'est moins sûr. J'ai révisé, mais franchement, là, je le sens pas trop, la philo. C'est pas mon point le plus fort. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut assurer. Quelques heures au parc, puis souvent quelques heures le soir à la maison. À J-2 des épreuves, le rythme des révisions s'intensifie. Tous n'ont qu'une hâte, que ça se termine pour pouvoir enfin profiter pleinement du beau temps.